Poignée de main respectueuse comme si de rien n'était entre les deux plus grands ennemis jurés d'Espagne. Barça, Real, 218e classico de l'histoire, égalité parfaite, 86 victoires partout. Mais avantage actuel aux hommes de Pep Guardiola, victorieux 2-1 du quart de finale aller de la Coupe du Roi. José Mourinho et les siens doivent donc l'emporter au retour au Camp Nou. Les Merengues n'ont plus gagné contre le Barça depuis 6 matchs, mais ils démarrent la rencontre tambour battant. Dès le coup d'envoi, Gonzalo Higuain, préféré à Karim Benzema, laissé sur le banc, est tout proche d'ouvrir le score. Mesut Özil fait également trembler le camp barcelonais, mais sa frappe soudaine est renvoyée par la transversale de Pinto. Si la maîtrise du jeu et les occasions sont madrilènes, le réalisme, lui, est bien catalan. Messi qui peut accélérer la plein axe maintenant, Messi. Messi qui peut glisser ce ballon à Pedro. L'ouverture du score. Une occasion, un but, nouvel exploit de Lionel Messi. Le triple ballon d'or, passeur décisif pour Pedro, auteur de sa deuxième réalisation de la saison en Liga. 1-0 puis 2-0 pour le FC Barcelone grâce à cette frappe lumineuse signée Daniel Alves. En l'espace de 5 minutes, le Barça marque 2 buts juste avant la pause. En seconde période, Karim Benzema remplace Gonzalo Higuain. Dans la foulée, le Real réduit le score. Cristiano Ronaldo parfaitement lancé en profondeur par Özil trompe Pinto. Benzema imite quelques minutes plus tard le Portugais. Attention à ce ballon qui a été intercepté, qui profite à Karim Benzema. Benzema, le dodo. Une égalisation qui ne sert finalement à rien. Score final 2-2, mais c'est bien le Barça qui est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Espagne.